C'est vrai qu'il y a beaucoup de travailleurs maintenant d'Afrique du Nord qui viennent en Belgique, oui. qui n'ont pas de papier. Oui. Ah, mais. Oui. Ici, si en Belgique, il y a beaucoup de patrons, ils, oui. ils dégagent les ouvriers comme ça, pas de permis. Hein. Oui. Pour lui, travailler plus que les autres, il y a des permis. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Hein. Vous voulez dire qu'ils en profitent, quoi. C'est ça, oui. Ils en profitent, bien sûr, ça. Si tu gagnes 50 francs, alors oui. tu vas vivre avec ça, tu vas payer l'argent pour ton famille. Et vous envoyez de l'argent à la famille, alors? Oui. 50 francs. Combien? Par mois. Oui. 3000 balles. 3000? Oui. Sur combien en tout, environ? Comment? Oui, par mois. Par mois, 3000. Oui. Et comment est-ce que vous vivez ici, à Bruxelles dans un appartement, dans une chambre ou... Dans une chambre. Avec d'autres? Avec l'autre, avec quatre. Quatre dans une chambre, oui. Oui. Et les autres, ils n'ont pas de papier non plus? Non plus. Oui. Parce qu'on ne trouve pas l'appartement, etc., parce qu'il n'y a pas de papier. Et alors, les gens estiment que la police, elle a des méthodes de plus en plus dures, comme la Gestapo vis-à-vis des étrangers. Ils vont la nuit chez les gens, ils arrêtent les gens dans la rue avec des mitraillettes, s'ils sont étrangers ou s'ils ont les cheveux longs. Ils tapent sur les étrangers dans les commissariats. Alors, les gens veulent manifester pour savoir la vérité sur ce crime, d'avoir que la police ait tué ce jeune homme. Et en plus, si les gens manifestent aussi, c'est parce qu'ils estiment que les étrangers doivent avoir les mêmes droits que les Belges. Plus des permis de séjour courts, plus des permis de travail courts. Et aussi pour lutter contre le racisme. Dans certains journaux, certaines personnes disent que les étrangers prennent le travail des Belges, sont des fainéants, viennent voler le pain de la bouche des Belges. Mais c'est pas vrai. Les étrangers en Belgique, ils font les boulots les plus durs. Dans les mines, dans les trams, ils font le métro, dans la construction. Et les étrangers, ils payent des taxes comme les Belges, sur le café, sur la bière, sur les cigarettes. C'est la même chose pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences entre des Belges et des étrangers. Et c'est pour ça que nous, on demande que les étrangers aient le même droit que les Belges. Et aussi, surtout dans ce quartier ici, il y a eu des expulsions, beaucoup d'expulsions pour construire les buildings. Et on voit que tous ces trucs-là, c'est fait pour... C'est pour là-bas, hein. Tiens. On a été mis aussi à la porte, on n'a pas eu un sang non plus, hein. Oh non, c'est, on est tous les mêmes, hein, monsieur. On est belge, on est étranger, on est tout, hein. Donc, on n'a rien eu non plus, on nous a mis comme ça à la porte sans rien. Et vous ne vous sentez pas différent des étrangers, alors? Bah, non, monsieur, nous sommes... Ces gens, ils doivent vivre comme nous, hein, monsieur. Pour dire comme ça, ils ne savent pas de quoi il s'agit, alors. C'est la même chose, hein. Et vous ne savez pas pourquoi a lieu cette manifestation? Non, monsieur, ça je l'ignore. Schaerbeek, un quartier de Bruxelles, comme on en trouve beaucoup dans nos villes occidentales. Un de ces quartiers qu'on appelle populaire, comme Saint-Gilles.
Molenbeek, le quartier nord, Anderlecht. Un de ces quartiers où on a laissé s'entasser les plus défavorisés, les plus exploités, les plus opprimés de la société. Les pensionnés, retraités, les travailleurs immigrés, clandestins ou non, les chômeurs, les ouvriers salariés, les petits commerçants. Ces vieux quartiers, mi-ghetto, mi-réserve de main-d'œuvre à bon marché, battent à un autre rythme que la ville. On y vit davantage dans la rue, au café. Mais pour tous les habitants de ces quartiers, belges ou étrangers, c'est une vie en sursis. C'est l'insécurité quotidienne. Chaque maison, laissée à l'abandon par son propriétaire, déclarée insalubre, inhabitable, peut être une proie pour le promoteur. Déjà beaucoup d'habitants ont été expropriés, expulsés de chez eux. Déjà les bulldozers ont fait de grandes trouées. Déjà les buildings commencent à s'élever et les taux se resserrent. Car ces quartiers ne sont plus rentables, ni pour les propriétaires, ni pour les promoteurs, ni pour les entrepreneurs, ni pour la commune, ni pour l'État. Les loyers sont trop bas, les rentrées d'impôts trop faibles, aucun beau commerce, pas de bureau susceptible de rapporter. Quant aux habitants, qui s'en soucie? Il y avait des personnes ici qui marchaient avec des béquilles, il y avait des personnes ici qui étaient malades au lit depuis des années, il y avait des vieilles personnes, de tout. Personne ne s'est occupé de les placer, personne, personne. J'ai lutté parce que je trouve le chef. Leur façon de faire, j'ai voulu chanter ça sur tous les toits. J'ai pris des grands papiers, des rouleaux de tapissage, où j'ai demandé aux gens, moi, je les ai affichés devant mes fenêtres, partout, pour demander de m'aider, de nous aider, de nous réunir, demander aux pensionnés, vous devez vivre à l'heure actuelle avec 4000 francs par mois, payer un loyer de 2000 francs, qu'est-ce qui vous reste? Que devons... Est-ce qu'on n'est pas mieux de mourir directement au lieu de nous faire crever doucement? J'ai trouvé encore, monsieur, il y a 2 ans que je suis parti ici. Un jour, nous avons été chez M. de Zag. C'était M. de Bax qui nous a retenus. Quand je lui ai expliqué, j'en ai le cœur plein encore aujourd'hui, je lui ai expliqué le cas des vieilles personnes du quartier, il m'a dit, madame, vous parlez avec trop de sentiments. Encore aujourd'hui, j'ai les mêmes sentiments, et peut-être beaucoup plus encore. Parce qu'au moment même que les gens étaient ici, il y avait une parole. Comment dire? Une parole qui soutenait à peu près le moral. Une parole qui nous aidait à soutenir l'un l'autre. Maintenant, nous savons même plus ce que l'un est devenu et ce que l'autre devient. Quand on a le malheur de rencontrer quelqu'un, on dit, ah mais tu sais, celui-là, il est mort. Et vous savez, celui-là aussi, il est mort. Mais de quoi est-ce qu'on est mort brusquement comme ça? Contre toutes les politiques qui favorisent les sociétés internationales et leur vendent la ville. Nous luttons, nous vous demandons de lutter avec nous pour qu'en Belgique, on reconnaisse le droit au logement. Nous luttons aussi contre toutes les interventions policières vis-à-vis de toutes les personnes du quartier. Et surtout, à l'égard des travailleurs immigrés qui n'ont pas de permis, ils ont le moins bon logement. Ils bénéficieront pas du plan éventuellement de relogement. Enfin, nous sommes solidaires dans les luttes dans les écoles pour que les enfants n'y soient pas opprimés ni exclus. Nous nous solidarisons des quartiers menacés à cause du plan Manhattan, à Schaerbeek, à Saint-Josse, Bruxelles-Ville, Molenbeek. Nous disons aussi notre solidarité aux autres quartiers. Je crois que ma lutte n'a pas donné assez, monsieur, parce que les gens étaient âgés pour commencer, d'autres devaient vivre de l'assistance publique. Alors encore une autre partie était peut-être m'en foutiste ou disait, c'est pas encore à nous. Vous ne pouvez pas oublier qu'ici, ici dans le quartier Rue Jolie, la plupart des gens étaient des gens qui vivaient de la commune, de l'assistance publique, ou avec une pension de 2000 francs. Donc ces gens ont eu peur de lutter avec nous parce que justement ces 2000 francs devaient venir de la commune. Et c'est ça que la commune a voulu effacer. Et que ça, la commune de Schaerbeek, qui soi-disant est dans les dettes, mais depuis que j'habite Schaerbeek, depuis 1954, j'ai toujours entendu la commune n'a pas un franc. Et alors c'est la commune la plus chère de tout le monde, c'est ici qu'on paye le plus. Les 100 et les 300 francs pour les taxes de meubles qu'on avait, non meubles, on devait en payer une taxe dessus. En fait, je ne sais réellement pas, que je trouve que M. Nolte, qui a été dans un camp de concentration,
qui devait comprendre qu'il était effacé de sa famille, qu'on l'avait éloigné, qu'on l'avait mis seul dans un quartier, avec des gens qu'il ne connaissait pas, où il a peut-être été content de manger la tartine d'un blanc, d'un noir, d'un grec, d'un turc, c'est égal, il était prisonnier. Mais il a fait de nous des prisonniers libres. Il a fait de nous des prisonniers libres parce que nous non plus, nous ne savons rien dire. On ne sait absolument plus parler. Et quand je lui ai dit que mon mari était malade pendant 5 ans et que la communauté était au courant que mon mari avait la maladie d'Hodgkin, jamais j'ai demandé une tartine. Mais jamais on m'a laissé un mois habiter pour rien. Après la mort de mon mari, on m'a offert le prix de vertu. Carrément, je l'ai refusé. On parle beaucoup d'étrangers. En fait, il y a ici dans le quartier autant d'étrangers que de Belges. Bon. Monsieur Knowles fait croire que, en faisant revenir des Belges par ici, on va renflouer les finances communales. À l'heure actuelle, avec le milliard de déficit, il aurait très difficile. Bon, ces expropriations, sans parler des achats et tout ça, nous coûtent à la commune 300 millions d'intérêts par an. 300 millions. Un rapide calcul fait qu'il faudrait 3000 familles dont la femme et l'homme travaillent et rapportent un salaire de minimum 500 à 600 000 francs par an. Il fait croire à l'heure actuelle à la population oscarbécoise que si tous les étrangers étaient expulsés de la commune, on n'aurait pratiquement plus de taxes, enfin, ou les taxes resteraient équivalentes, enfin. C'est tout, et que la commune sera abandonnée, ce qui est impossible à l'heure actuelle, parce que le gaspillage ne vient pas des étrangers, mais de certaines folies communales. Enfin. C'est-à-dire des folies communales, des contrats signés avec Amling. Des contrats signés où les terrains se vantent avec des conditions qui ne sont pas toujours très, très claires. La machine du capital est en marche. La commune a envoyé ses experts qui ont déclaré les habitations insalubres. Les expropriations sont prononcées. La commune a racheté des maisons, souvent avec le crédit de promoteurs immobiliers, des promoteurs qui rachètent ensuite des quartiers entiers à bas prix, les démolissent et y reconstruisent des buildings au plus économique afin de revendre au plus cher. Voyez Manhattan, World Trade Center, on est à l'heure américaine, n'est-ce pas? Des parkings, des bureaux destinés à abriter une administration d'affaires ou à rester vide quand il n'y a pas d'affaires. Quelle fantastique source de profit pour la commune et les capitalistes, pour le bourgmestre et la société Amelix. Quant aux habitants, qu'est-ce qu'on leur offre? Pour les petits ménages, des logements sociaux dont le prix, déjà plus élevé que celui de la maison qu'ils habitaient, augmente sans cesse. Aux autres, aux isolés, rien. Des promesses jamais tenues. Dans les quartiers menacés, certains ont commencé à s'organiser, à dévoiler les marchandages entre les sociétés immobilières et la commune. Les habitants commencent à prendre conscience que seule l'unité et la lutte de tous peuvent enrayer la politique de la bourgeoisie. Ils comprennent que leur problème, le problème des expropriations, dépasse les limites de leur quartier, que c'est le produit d'une politique, d'une société, de la bourgeoisie au pouvoir, de l'État. C'est à ceux-ci qu'ils doivent leur malheur. Ils identifient leurs ennemis. Cet ennemi, c'est l'ennemi des travailleurs. Monsieur Noz a l'air d'un homme très simple qui vient, qui leur offre un petit goûter de temps à autre, en son nom personnel. En fait, son nom personnel n'a rien à voir là-dedans. C'est au fond le budget de la commune, et c'est là-dedans qu'il puise d'autres. En fait, c'est le conseil communal qui lui donne ce pouvoir-là. Et ensuite, il leur donne des biscuits et tout ce qui s'en suit. C'est très bien. Je ne critique pas ça. Mais ce que je critique, c'est que le même individu les fout à la porte de chez eux, enfin, à leur cadre de vie et tout. C'est pas du paternalisme que ces gens ont besoin, enfin. C'est de rester dans le milieu qui est le leur. Ou alors, si on ne peut pas, pour des raisons peut-être valables, dont je doute, parce que l'utilité publique, c'est pour arriver à faire des buildings pour de pauvres, c'est plus public, ça. Bon. Eh bien, on expulse ces vieilles personnes, et quand elles sont méchantes ou qu'elles se rebiffent pour des histoires inhumaines, on les enferme, enfin, voir le cas de Mme Mistat et d'autres personnes âgées qui ont été brimées. Par exemple, une personne à 11h du soir, la police est venue éteindre les lumières, 4 policiers pour éteindre une lumière à 11h du soir. Il n'y a qu'en dans une dictature qu'on peut voir ça, enfin. Et encore, ces gens-là ne s'occupent même pas de lumière.
C'est l'intervention de la police de tous les jours, ben, j'ai fait une longue intervention au conseil communal en prenant des exemples. Je trouve ça scandaleux. Enfin, le rôle de la police n'est pas de pourchasser les gens. Le rôle de la police, c'est d'aider les gens et de veiller à la sécurité des gens. Enfin, moi, je suis dans le quartier, je n'ai jamais été attaqué. Je ne sais pas, je crois que c'est une espèce de conditions, on conditionne les gens. Et lui, il est méchant avec mon Kélian. Il dit à mon Kélian, paysan, il dit à paysan, il dit des couchons, il dit à mon Kélian, calme-moi, je l'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'avez pas une raison, tu vas la dire moi, à mon Kélian comme ça. Il a dit, moi je t'ai fermé à toi, ton café. Il a dit, moi je vais fermer ton café. La police, toujours, il va dire ça, il a dit, quand quelque chose, moi je vais fermer ton café. Alors, comme ça, moi j'ai rien fait. Ah ben, ma police, je dis, faut pas pousser, dès que tu veux, je te casse la gueule. La police. Je dis, faut, on départ d'eux, il a dit, tu veux que je te casse la gueule. Et c'est arrivé plusieurs fois ici dans le... Ah oui, plusieurs fois. Et alors, vous n'avez rien fait pour ça? On ne doit rien faire. On ne doit rien faire. Oui, la garçon, il a peur. Quand il est trouvé comme ça, la police comme ça, soit avec le méchant mât, avec les pistolets. Ils sortent pistolets, hein. Pistolet, oui, chaque fois, il vient ici, la police nous sort pistolet, il vient d'entrer avec, derrière lui avec la matrailleur. Comme ici, la guerre, c'est pas des 14-18 ici. Vous avez dit des choses, vous? Oui, moi, j'étais ici il y a 3 semaines, quoi. J'étais ici, alors les policiers sont rentrés ici, là, pendant qu'on n'est pas avec. Alors ils commençaient à gueuler sur moi, puis c'est pendant qu'on est avec, et puis ils sont partis, quoi. Oui, chaque fois, quand on vient ici, ils ramassent mon Kélian. Sont les Kélian, sont la raison, sont des papiers, tout, hein, avec son permis de travail, hein, avec son carnet d'été, sont les ramassés dans la voiture. Viens, comme ça, sans la raison. Ils ne veulent lâcher. 3-4 mètres, ils ne veulent lâcher. Juste à les bureaux, ils ne veulent lâcher. C'est une merde. Mon Kélian, c'est beaucoup comme ça. Moi, j'ai perdu comme ça, 50% des Kélian, moi, je l'ai perdu. 50%, moi j'ai perdu mon Kélian comme ça. Avec ça la raison. Moi j'ai payé toutes les lois. Alors moi j'ai perdu mon Kélian comme ça, sans la raison. L'âge de la tram, le canon de tram, il dit que l'insan, le saïk de tram, n'a pas le droit de la tram. Ou alors, il a fait un hadith kbir. Il n'y a pas de problème. Mais la police a fait le coup, et ils ont fait le mustachfa. Voilà, un peu, il y a une ansourie. Il y a une ansourie en Belgique. Il y a une ansourie kbira en Belgique. يعني ما عندناش احنا عرب شفتنا عرب ونخدموا في بلجيكا وين البلجيكيين يحتقونا احنا لو كان مشيوا احنا ما قالش كون يخدم شكون اللي يخدم احنا اللي نخدمه احنا كيما ديز سكلاف في سيجيستا احنا العرب يحسبونا كيما ديز سكلاف ولكن هما في بلادنا يعيشوا كيما الملوك كيما الرواع علاش راسيستا فما ناس يشريوهم بالفلوس الروس الاموال الكابيتاليستي يشريو الناس الكابيتاليست البلاد يخلصوهم والبلاد يخلصوهم وجد يغتنموا الانسان اللي ما عندوش برمي ترافاي انا لاحظت هذا يغتنموا الناس اللي ما عندوش برمي ترافاي يخدموه ونهار اللي يتكلم يقولوا لنا نديو لك النفسه نجيبوا لك البوليسيه وتكلم على حقك يقول لك جيبوا لك البوليسيه وهذه صارت لي انا بنفسي صارت لي يعني. في بلجيكا ولذا انا الرابع انا في بلجيكا يعني ياسر ثم يحسبوا الناس اللي في سكلاف ما نش نقول حد شيء اخر حل عنده برمي الحل اللي ما عنده شيء كيف لا كيف عايش عايش ولكن انت عايش كيفاش تعيش عايش كيفاش تعيش حل عنده برمي الحل ما عنده شيء كيفاش تعيش عايش بالصحه ديالو اللي عطى له ربي ما يحتاجش برمي كيفاش تعيش يرميو البرمي ديالهم في البحر لا وكيفاش تعيش ما عندك عايش بالصحه اللي عطاني ربي هذاك تكل على ربي هذاك القوه داكور هذه بالتهميل ماشي القوه هذيك هي كواغت هذوك برمي لا خلي البرمي ولكن كيفاش تعيش عندك حق كما البالج انت ولا ما عندكش عندكش حق عندي حق مع ربي ...250 000 ouvriers étrangers en Belgique. Le quart d'entre eux sont clandestins, c'est-à-dire que bien que travaillant en Belgique, ils n'ont ni permis de travail, ni titre de séjour, ils travaillent en cachette et vivent en cachette. Pour les patrons belges, employer des clandestins, c'est un avantage, puisqu'on les fait travailler en noir. On les paie moins cher, pas de charges sociales, pas de mutuelles, ni de sécurité sociale, et la possibilité de les utiliser de manière irrégulière et de les renvoyer n'importe quand, surtout en cas d'accident de travail ou quand il y a une baisse d'activité. La plupart des immigrés ont le permis B, qui est provisoire.
Il doit être renouvelé chaque année par les autorités, à la demande et avec l'accord du patron. Le prolongement du permis dépendra de la bonne ou de la mauvaise conduite du travailleur. Il est ainsi lié à son patron par une sorte de contrat de nature esclavagiste. Depuis la dernière guerre, des vagues de travailleurs étrangers sont venues successivement satisfaire les besoins en main-d'œuvre, en force de travail, de l'économie capitaliste lors des moments de forte croissance, et cela au niveau européen. Les Italiens jusqu'aux Turcs, en passant par les Espagnols, les Portugais, les Nord-Africains, on a été les chercher de plus en plus loin afin de les mettre aux travaux dont beaucoup de Belges ne veulent plus. Les mines, les chantiers, l'industrie lourde, les tramways, le nettoyage. Cette situation est le produit d'une stratégie internationale basée sur un contrat entre pays européens demandeurs et pays exportateurs de main-d'œuvre. Les travailleurs dans tout cela ne sont qu'une simple marchandise qu'on se rachète d'un pays à l'autre. En période de crise, de chômage, c'est eux qu'on poursuit, qu'on arrête, qu'on expulse. C'est eux dont on se sert pour désunir la classe ouvrière en les rendant responsables de tous les maux, chômage, taudis, inflation. C'est contre eux qu'on développe des campagnes d'idéologie raciste dans certaines couches sociales. Ils sont l'objet de contrôles d'identité, de perquisitions, de brutalité policière. Ils n'ont ni liberté de s'exprimer, ni droit politique. Leur unique droit, c'est travailler. Travailler sur un chantier, par exemple, pour construire des buildings, des bureaux, à l'endroit même, et pour ceux-là même qui les ont fait expulser de la chambre où ils vivaient. Il y a eu sur votre chantier, M. Van Damme, des ouvriers. Les ouvriers immigrés clandestins qui n'avaient pas le papier en règle. On a eu deux blagues un ouvrier qui n'était pas en règle, pas encore en règle. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec celui-là. C'est passé, ouais. Parce que en ce moment, je ne suis pas ici. Il était pris par les gendarmes. Oui, mais le bonhomme, il est travaillé deux jours, quelque chose. Je l'ai commencé jeudi et au vendredi. Mais moi, je ne suis pas ici. En ce moment, je suis à congé. Et alors le bonhomme l'est pris, parce que pour nous, tous les hommes qui sont ici sont déjà des hommes qui travaillaient des années seulement et qui sont donc en règle. Mais vous n'utilisez pas directement des immigrés qui n'ont pas de papier, hein? Non, ça je ne vais pas faire. Non, ça on ne peut pas faire, monsieur, parce que pour nous c'est très difficile. Vous comprenez, je fais des grands chantiers et en ce moment, c'est très embêtant. S'il y a produit un accident, n'importe quoi, je sais comment ça va. Justement, il y a eu un accident mortel sur le chantier. J'ai eu, c'est presque 18 ans que je fais ce métier, c'est mon premier accident. C'est un Marocain qui travaille déjà longtemps ce matin. C'est un brave garçon et un meilleur garçon. Donc. Mais votre contremaître m'a dit, quand je suis passé, qu'il y avait une grève à la suite de la mort de l'ouvrier marocain. Mais ça, c'est honteux. Ça, je suis presque pas au courant, mais parce que ça, c'est honteux. Hein. C'est une question de discussion entre eux. Mais c'est marocain, on ne le comprend pas. Et eux, leur méthode ne sont pas la même que la nôtre. Hein. Ce sont les Marocains qui se sont mis en grève, alors. Oui, en grève, entre eux, donc. Mais en tout cas, il y a deux, trois qui ne sont pas venus pendant quelques jours, et après ça, sont de retour venus comme normal. Et à part le boulot, à part le travail, qu'est-ce que vous faites, par exemple, le dimanche, le samedi? Dimanche, samedi, on sort, on part sur la famille, hein. On dit bonjour. Alors, au soir, on vient, on fait à manger, on dort pour demain travailler, pour lundi, c'est tout. Et est-ce que vous sortez avec des compatriotes, avec des Marocains? Oui. Et avec les Belges, vous avez des... Des copains belges? Des copains, oui. Oui, vous avez des copains belges aussi. Ça va? Oui, mais... Ça va, mais... C'est pas tout à fait ça va. Un peu. Alors pourquoi est-ce que le ministère ne veut pas vous accorder, vous donner les papiers? Pourquoi d'après vous, ce qui refuse les papiers? Je ne sais pas, me faire une lettre, maladie. Donc, 67, et donc plus de permis de travail. Et moi, je dis,
si par exemple ce sont ça te donne plus de papier, pourquoi éteindre mon sang? Donc m'éteindre mon sang, hein? Pourquoi éteindre ça? Donc pas accepter, hein? Passer ça, t'as dit ça, et payer. Les analyses médicales. Oui. Payer de l'argent pour rien. Vous avez dû payer de l'argent pour faire les analyses. Oui. Ça, c'est pour obtenir le permis, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas accepté, alors il faut pas passer la visite, il faut pas tirer des sangs. Et... Et comment vous vous sentez en Belgique? Oh, je sens rien parce que je n'ai pas de permis, alors je sens rien. Parce que je travaille obligé, je ne trouve pas l'autre place. Parce que mon patron toujours dit viens travailler avec moi, viens, reste avec moi toujours. Même samedi, dimanche, parfois je pars travailler avec lui à la maison, avec sa femme. Je nettoie la mer, je fais le pain chez lui à la maison. Nettoyer la maison du patron, oui, en plus. Oui. Et vous êtes payé pour ça? Ouais, payé, mais pas bien payé. Tu as participé à la grève de la faim? J'étais avec mes frères à la grève de la faim à l'église. Saint-Jean et Saint-Nicolas? Oui. Et j'étais dormi avec eux 3 jours. Moi aussi, je veux faire la deuxième grève, mais je n'ai pas trouvé mes amis parce qu'ils ont peur un peu de... Si les gendarmes rentrent, je ne sais pas pourquoi. Chez nous, dans une mosquée, ils ne rentrent pas ni gendarmes ni la police. Oui. Et là, en Belgique, je vois... l'autre fois, ils sont rentrés chez mes frères à l'église. Je ne sais pas, ils ont rentré 15 gendarmes avec les mitraillettes. Oui. C'est pas bien ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait la grève de la faim? Ils ont fait la grève pour avoir leur permis de travail et le droit de circuler comme les frères belges. Et pour travailler, pas comme clandestins, pour travailler comme les frères belges. Parce qu'un qui a 5 années en Belgique, il n'a pas le permis de travail. Un qui a 2 ans en Belgique, un qui a 1 an et demi comme moi, j'ai 1 an et 8 mois. Sans permis de travail, je ne peux pas vivre comme ça, moi, comme une femme, je cache toujours, comme un chien. Ouais. Comment est-ce que les immigrés ont réagi quand les grévistes de la faim ont été renvoyés? Ils ont été très tristes, tous les immigrés en Belgique. Parce que sans leurs frères, sans des frères aussi. Ils en ont parlé dans les cafés? Oui, dans tous les cafés étrangers, dans tous les cafés immigrés, ils ont parlé beaucoup des grévistes. C'est pas, ils n'ont pas le droit, le gouvernement il n'a pas le droit d'envoyer les grévistes. Ils n'ont vraiment pas fait un petit point ici. Ils sont bourrés de galettes ici. Mais c'est quel pays? C'est pour ça qu'ils vivent dans les taudis. De tous! Je les ai vus tous, monsieur. C'est pour ça qu'ils vivent dans les taudis, ils sont bourrés de galettes. C'est un peu bizarre. Ils ont le droit de tuer quelqu'un. Parce que vous voulez bien les taudis. Pour faire des états moyens, pour les envoyer là-bas chez vous. Vous voyez que je ne connais pas le truc, non? C'est lui qui vous paye pour faire ça. C'est lui qui vous paye pour faire ça. Lui, il a toujours voté contre les étrangers, lui. Lui conseille comme il a. Moi, je ne suis rien du tout, monsieur. Je peux vous montrer contre les étrangers. C'est dégueulasse, ça. Je suis étranger à moi-même, monsieur. Monsieur FDF pour défendre les francophones et il approuve l'étranger. Moi, je le dis, conseille comme il a. Moi, je le dis. Je viens de l'enlever pour ça. Je viens dire à madame Kessler. Je viens dire à madame Kessler. Vous en avez assez de galettes. Moi, je suis bien la main. Vous en avez plus que nous. On va continuer. Vous en avez plus que nous. Allons, on va continuer la manifestation. Je suis pas étranger. Vous êtes la main belge. Moi, je suis pas étranger. Vous êtes la main belge. Oui. Vous êtes folle. Peut-être bien. Peut-être bien. C'est possible. Vous êtes folle. C'est possible. Mais moi, j'ai pas autant vu. Vous savez pas ce que vous voulez. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai 600 francs par mois, monsieur. Alors, vous êtes jalouse. C'est peut-être bien possible.
Je dis nous. Mais allez voir un qui est assis. Et si on ne sait pas, les étrangers vous défendent. C'est le gouvernement belge qui défend. À nous, non, non, madame, non, madame. Ne prenez pas les étrangers. Allez, bon. Dites, trouvez un belge qui s'est acheté une maison au bout de 8 mois. Allez, en avant. Vous ne la trouverez pas, hein. Bon, nous sommes 8 personnes, on a la même maison, avec 2 chambres. On vit là-dedans. Mais après, où tu vas aller? Chez le propriétaire? Ah, et après, on n'accepte pas les étrangers. Ah, vous avez des enfants. Ah, vous avez des chiens. Ah, on ne l'aime pas les étrangers. Pourquoi? Hein? Pour rentrer, il accepte. Mais pour le logement, il n'accepte pas. Hein? Et au niveau du votre travail, est-ce qu'il y a du racisme aussi? Ah, ça, c'est chacun qui se vient. Le pétrole, ça vient pour les hommes riches. Ça pour les riches, mais pas pour nous. Hein. Il y a du pétrole à l'Algérie. L'Algérie, il ne donne pas ça à son pays. Hein. À son peuple, il ne donne pas ça. Tout pour le gouvernement, comme ici. Tout pour le gouvernement, il cale ça pour le gouvernement. Chez nous, le roi chez nous, il y a des marchandises, mais il donne ça pour le peuple, tout pour lui. C'est ça. Il n'y a aucun pays qui est malheureux. Aucun pays, mais tout pour l'État. Tout pour l'État. Le pétrole, il vient des milliards. Les Algériens, ils peuvent vivre à son pays. Hein. Pourquoi qu'ils sont dans un pays étranger? Parce qu'ils ne donnent pas. On nous dit aujourd'hui, la Belgique est un petit pays, il ne peut pas recevoir tout le monde, tous les gens qui frappent à sa porte. Bien sûr, il y a 20 ans, c'était le cas contraire, la Belgique signait des accords avec l'Italie pour faire venir un contingent très nombreux, un minimum de 2000 travailleurs par semaine pour les mines belges. Alors, ce n'est pas le problème que la Belgique soit petite, soit grande, c'est un problème d'un contexte socio-économique du pays. Alors, en ce moment, quand il y a une crise de type économique, à ce moment, bien sûr, c'est l'étranger, le bouc émissaire, le pommier qui est là, à payer les plats cassés. Il y a beaucoup de Marocains qui ont fortuné. Il y a beaucoup de Marocains qui ont fortuné. Ah oui, c'est un discours, généralement, eux aussi. Pourquoi croyez-vous qu'ils discutent comme ça? Pourquoi croyez-vous qu'ils sont plus nombreux que les autres? Non. Ils sont énormément. Est-ce que vous avez le sentiment la semaine passée, ça n'a pas arrêté bagarre à la police. Il est dans le monde. Ça n'arrêtait pas les coups de téléphone, bagarre pour les étrangers. Mais c'était toujours des étrangers. Toujours des étrangers. Est-ce que vous avez le sentiment? Moi, je suis contre. Je n'avais pas fait. Oui, alors vous dites, je suis raciste. Ah oui, je suis raciste. Bon, je suis sans. Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas intervenu dans la manifestation? Ah non, moi je n'ai intervenu pendant cette histoire, mais pour ma part, je suis raciste. C'est vous, monsieur? Moi je n'ai pas pendant. Je suis raciste. Vous êtes commerçant et vous devez servir. Écoutez, un Belge... vivre avec eux pour le savoir, vous autres. Un Belge n'a plus le droit de manger. Moi, je suis, une fille seule avec 5 gosses, je n'ai pas le droit de manger. C'est presque si je dois manger. Mais eux, ils vivent, ils ont des magasins. Nous allons aujourd'hui manifester dans les rues d'une commune, Carbet, où le racisme est particulièrement acharné et violent. Nous allons manifester dans ces rues même, dans les endroits même, où chaque jour, chaque soir, la police fait ses rafles et ses contrôles d'identité. Nous allons manifester dans ces quartiers même, qui sont délabrés, qui sont laissés à l'abandon, qui sont détruits par les capitalistes, pour construire des buildings de haut standing. Nous allons manifester et nous allons dire halte au racisme, belges, anti-racistes et immigrés, tous unis contre le racisme et contre la répression. Il y a quelque chose qui frappe et qui vient continuellement, c'est le problème que l'étranger, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller, quelqu'un qu'il faut tenir toujours entre des gendarmes d'un côté et d'un autre côté, parce que, en principe, c'est toujours un élément dangereux. Ce qui est prouvé, c'est précisément l'influence sur la psychologie des gens, sur la psychologie de la masse moyenne, de précisément de toute cette publicité de la radio, de la TV, des journaux, de l'action policière, parce qu'alors, en ce moment, les gens qui voient que la police intervient continuellement dans des cafés marocains, dans des cafés turcs, conclusion, les Marocains et les Turcs sont vraiment des bagarreurs, sont des indésirables. On ne fait jamais la réflexion contraire, de dire, tiens, pourquoi est-ce que la police, c'est quoi toujours permis d'intervenir là-dedans? Policiers, assassins,
Mes frères, ce matin il est 6h30, c'est vers cette heure-ci qu'hier ils ont dit « Réveillez-vous, réveillez-vous ». Ils avaient envahi la sacristie. Ils étaient en armes, c'était des policiers. Le plan était très bien fait, c'était un plan militaire. On est sorti par la rue d'Arscott, les frères n'ont pas paniqué. Mes frères, on s'est salués comme des hommes. Nos poings étaient levés, c'était sublime. Et Mohamed Amrar, et Selim, et Ali, et Mohamed Tamani, son frère, et Abdelrazak, ils étaient tous des hommes libres, libres jusqu'à la fin, contre tout jusqu'à la victoire. On a été forts et unis. Ils ont été des hommes. C'était un grand plan policier. Ils ont emmené notre communauté. Ils ont osé faire ce que jamais on aurait imaginé. Directement, tout le monde à Zaventem. Mes frères, nous avons été unis et fiers jusqu'à la dernière minute. Je vous salue très fort. Continuez le combat plus fort. Vous êtes armés maintenant. Allez vers les frères. Osez. Adieu, les grévistes de la faim.